Oui, on l'a tous remarqué. On a tous remarqué ce putain de bouton qu'il y a sur ma joue. Ouais. Mais bon, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas le changer, hein. Bon. On va le laisser comme ça, et puis quand il partira, il partira. Yo les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parle, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nouveau concept de draft, j'en avais jamais fait sur ma chaîne, donc comme ça vous en aurez un, voilà. Alors comme vous avez pu voir au titre et à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui on va faire un draft card. J'ai encore jamais vu ce concept sur YouTube, je l'ai moi-même inventé, donc vous allez pouvoir comprendre, c'est très très facile. En gros, ce qui va se passer, c'est que comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le joueur qui est à l'honneur, c'est Luis Suarez 96, donc sa version in-form. Voilà, j'ai choisi cette carte parce que je l'apprécie particulièrement, voilà. Bon, il n'a pas été TOTY, mais bon, après, il n'avait pas eu trop de chance. Mais c'est sûr que sa carte TOTY, ce sera vraiment exceptionnel. En tout cas, aujourd'hui, ce joueur est à l'honneur. En gros, je vous explique. Draft card, c'est très très simple. Vous allez voir une suite de nombres, en fait, grâce aux stats du joueur. Par exemple, Luis Suarez, dans son général, c'est 96. Donc, c'est 9 et 6. Par exemple, on va lancer, on va participer avec les 300 points FIFA. Pour le dispositif, on est parti avec 5 dispositifs. Du coup, comme la première lettre de général de Suarez, enfin le premier nombre de général de Suarez c'est 9, du coup on va prendre le 9e en partant du haut vers le bas. Et si c'est des cartes, en partant de la gauche vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on prend celui-là. Vous avez compris? Je pense que c'est assez simple. Vous n'aurez pas de difficulté à comprendre, hein. Et puis voilà. Alors, ah, on a quand même des capitales pas mal, hein. 6, du coup ça fait... Ah, Santi Cazorla là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on revient au début. Ça fait Cazorla là. Bon, c'est pas top. On passe à côté d'un Messi Hero. Mais quand même, voilà, ces Santi Cazorla là, c'est pas mal non plus. C'est pas comme si c'était dégueulasse. Voilà. On va passer au second MC. Bon, c'est pas ouf. On va essayer d'avoir Granero. 8, donc sa stat de vitesse. Donc 88, donc 8-8. Donc ça fait 5, 6, 7, 8. Donc on a Chaka. Chaka, bon, c'est pas ouf, hein. On va faire un remplaçant, tiens. Puisqu'on a 13 nombres, enfin 14 en tout, quoi. Alors, le prochain, c'est 8 encore. Donc ça fait Derrea. Bon, ça va quand même. On va aller sur l'équipe type 9, donc 9-5 pour la vitesse, donc 4, pour le tir plutôt. 95 de tir, donc on va prendre le 9. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, ça passe. Le DC, 5 maintenant, parce qu'il a 95 de tir. Donc ça nous donne Mamadou Sakho. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un petit lien avec Santi Cazorla, if. C'est pas mal. On passe maintenant à l'autre défenseur. 9 encore, puisqu'il a 91 de passe. Donc ça nous fait 5, 6, 7, 8, 9. Bonne mère. Ça va, ça va. Bon, c'est pas exceptionnel, bonne mère, mais bon, ça va quand même. On passe à la. Ah, on passe à côté d'un Thiago Silva Totti. J'ai un peu le seum là. Là, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum parce que. Bah, on passe. Luis Suarez, il a 91. Donc maintenant. Non, bah ça fait qu'on prend Koscielny, quoi. Koscielny, c'est bien, tu vois, ça fait le lien avec Sakho, mais Koscielny, c'est pas ça, quoi. C'est pas... voilà. Bon, passe au dribble. Il y a 95 de dribble, donc on prend le 9 encore. Bon, ouais, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Pidgey, bon, aucun lien, mais bon, ok, hein, c'est pas grave, on va passer sur l'autre aile. 5 encore, parce que du coup, bon, 5 ça nous donne Schmid, ouais, Schmid. Bon, on a un petit lien avec Chaka. Maintenant, à la défense, il a 52, donc ça fait 5, 2. Alors, 5. Ah putain, Ronaldo, Depay, Neymar, putain, et on va prendre Sanchez. De son siège, parce que Suarez il a 52 de défense, donc on est obligé de prendre le 5. C'est pas ouf, franchement, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf. Hop,
Oh, Jimmy Vardy, il a 52, donc on prend le numéro 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Jimmy Vardy, record breaker, il tombe pas très très souvent. Hein. Franchement, j'ai de la chance de l'avoir. Hop, bon, ça fait un petit lien quand même, ça va. Hop, maintenant 91 de physique, donc le 9. Ça nous fait 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on passe à côté d'un Gareth Bale 89, mais en même temps, on a Candreva. Si pas, ça passe quand même, ça passe, ça va. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça va quand même. Maintenant, ouah. Ouais, bon, c'est de l'argent quoi. Bon, il a 91 de physique, donc ça fait 9. Est-ce qu'on n'a pas déjà utilisé le 9 par ailleurs? Si, on l'a déjà utilisé, donc on a dit 91, donc le 1. Klein. Klein. Bon. Klein. Klein. Bon, puisqu'il reste plus de stats, il ne reste donc plus de stats. On va compléter notre équipe aléatoirement. Bon, voilà ce que donne cette draft. 72 de général, on va passer au choix de l'entraîneur, mais bon, je pense que ça changera. Ouais, voilà, ça changera pas grand-chose, hein. 74, 74, 72, 73, 72. Bon, on va prendre les 74. Alors, on prend lequel à votre avis? Prendre aussi. Je sais pas pourquoi lui, mais bon. J'allais dire, il me fait penser à mon grand-père, mais j'en ai pas. Donc, et puis au vu de mon teint, de Rossi, c'est pas trop familial tout ça, mais bon, hein, on va le prendre quand même. Bon, ça va, notre draft elle passe quand même, elle passe. Franchement, pour Luis Suarez, il nous a pas donné trop de malchance ou je sais pas quoi. On va pas du tout jouer le match. Donc, je vais vous laisser. Il fallait que je fasse une petite vidéo courte, voilà, un petit concept draft, ça peut être sympathique. Je jouerai un match en comment la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, je jouerai un match avec cette équipe. Pour l'instant, on va pas la tester, ça servira à rien. En plus, ça fait un petit moment que j'ai pas joué à FIFA. Faut que je reprenne du toucher de balle, on va dire. C'est tout pour moi. J'espère que ce petit concept de draft vous aura plu. Je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires. J'espère qu'elles m'uploaderont. C'était le dieu de la guerre. Peace.